Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo très rapide sur l'Arcos 97 carbone en complément de la première vidéo de prise en main. Eh bien, je vais simplement vous faire le premier démarrage en live. Hop, c'est parti. Bon, déjà ça commence mal puisque je la tiens en mode portrait et qu'il m'affiche le logo en mode paysage. Et bon, pourquoi pas, je vais lui faire plaisir, je vais m'adapter à lui. Bon, c'est le vrai premier démarrage, hein. Donc j'ai fait le déballage, j'ai fait la petite présentation du produit. Là, voilà, je fais le premier démarrage. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit touchscreen calibration, donc il me demande le calibrage de l'écran. Alors je crois que bon, j'ai zappé ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il fallait que je mette la tablette à plat et que je n'y touche plus. Voilà, calibration terminée, cliquez sur OK pour continuer. OK. Alors, plusieurs langues disponibles. Donc américain, anglais, français, allemand, espagnol, italien, Pays-Bas, enfin hollandais, polonais, russe, chinois et apparemment d'autres langues encore. Donc bon, un produit international. Suivant, assurez-vous d'avoir lu les mentions légales. Oui. Hop, suivant. Fuseau horaire actuellement, heure avancée d'Europe centrale. On va dire que oui. Le Wi-Fi, je le paramétrerai plus tard. Alors, le service de localisation Google utilise des réseaux Wi-Fi mobiles. Vous pouvez modifier. Bon, ça, je verrai plus tard. Les applications Android vont être installées. Ont été mises au point par des utilisateurs Android ou d'autres sociétés. Bon, je vais les installer. Hop. Bon voilà, là il m'installe quelques applications Android. Pour patienter, bah écoutez, cette tablette donc tourne sur Android Ice Cream Sandwich. Tiens, il m'installe Angry Birds, Brief Me. Bon, j'espère que c'est pas trop long. Je voulais faire vraiment une vidéo rapide pour vous montrer le premier démarrage. Bon, comme vous voyez, c'est pas très long. Vous démarrez, il vous pose 2-3 questions et puis voilà. 5 applications étaient installées avec succès. Donc là, logiquement, voilà. Assistant de démarrage terminé. Hop. Voilà, bon. Bah écoutez, voilà, donc premier écran. Comme précédemment, voilà, on a plusieurs écrans avec lesquels on peut naviguer. Il y en a 5, j'ai l'impression, avec quelques applications là. Écoutez, je m'arrête là pour le moment. Je ferai d'autres vidéos pour entrer plus en détail sur ce produit. Donc c'était le premier démarrage. Je vous quitte et je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao.